Bonsoir, chers amis, et merci de nous avoir rejoints ce soir pour cette étude que nous poursuivrons dans le livre de l'Apocalypse et qui nous emmène déjà très loin depuis un bon moment. Et nous avons encore du parcours à faire durant ces études jusqu'au chapitre 22 de ce livre. Alors, ce soir, nous allons aborder un sujet un peu particulier, mais qui rejoint les autres que nous avons vus depuis un bon moment dans le livre de l'Apocalypse. Nous avons voulu simplement nous attarder un peu plus longtemps sur cette béatitude de ce livre et vous allez voir, nous y découvrirons des choses intéressantes, soit que ce sera un rappel pour certains, une nouveauté pour d'autres, un affermissement pour ceux qui savent déjà un bon nombre de choses concernant les prophéties bibliques. Le titre de notre étude ce soir, c'est le paradigme divin qui bouleverse un peu la foi. Pour d'autres, ça peut être beaucoup. Pour certains, c'est pas du tout. Au contraire, c'est de l'affermissement. Mais que ce soit positivement ou négativement, l'écoute et l'étude de ce sujet va certainement créer de la curiosité, de l'étonnement et le désir probablement de faire des recherches qui s'imposent, puisque Dieu est désireux de donner à tous ceux qui le veulent la connaissance et l'intelligence de la parole en ces derniers temps. Alors, à la fin du livre de Daniel et cette fois dans le livre de l'Apocalypse, Jésus prononce une bénédiction ou encore ce qu'on appelle une béatitude, comme dans l'évangile de Matthieu. Nous allons nous intéresser ce soir à deux de ces bénédictions prophétiques, celle du chapitre 12 de Daniel et celle du chapitre 19 de l'Apocalypse. Ces paroles étant celles de Dieu et de Jésus lui-même, eux-mêmes sont d'une importance capitale pour la foi chrétienne. Et dirais-je la foi adventiste en particulier, telle qu'elle est vécue au dernier temps. Alors, nous allons commencer par lire ces textes et nous les mettre en mémoire de façon à être en mesure de percevoir le message qui s'y dégage, tout au long de cette étude. Voilà. Alors, Gisèle, c'est à toi. Merci. Alors, Daniel 12, versets 12 et 13. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers la fin, vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Apocalypse. Apocalypse 19, verset 9. Et l'ange me dit, écris. Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Voilà. La lecture de ces deux textes bibliques vous sont certainement fait comprendre ou donner un aperçu du fait que les deux béatitudes en question n'ont pas le même sens théologique et spirituel que celles que l'on trouve dans le livre de Matthieu ou dans d'autres parties de la Bible et dans les évangiles en particulier. Chaque béatitude de Matthieu, pour ne citer que lui, présente un type de candidat au royaume des cieux, à la consolation, à la terre comme héritage, au rassasiement spirituel, à la miséricorde divine, à la vue de Dieu face à face, à être fils de Dieu, à recevoir la grande récompense dans le royaume des cieux. Mais les deux béatitudes de ce soir, de notre étude présente, en ce qui concerne Daniel, c'est le bonheur réservé à ceux qui arriveraient au temps marqué qui commence après les 1335 jours ou années prophétiques. Quant à Jean, pour lui, c'est ceux qui auront la possibilité de répondre à une invitation et participer à un festin qui est connu comme étant le festin des noces de l'agneau.
Alors, certains pourraient naturellement et certains vont se poser la question si vous êtes nouveau, bienvenue dans cette étude déjà, mais les 1335 jours, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. Eh bien, dans l'étude prophétique telle que le conçoivent l'adventiste ou les adventistes tels qu'ils le conçoivent, eh bien, c'est la période qui va de 508 à 1844. 508 après Jésus-Christ à 1844 après Jésus-Christ, ce que nous considérons comme étant la fin de la longue, je parle de l'année 1844, comme étant la fin de la longue période prophétique de Daniel 8, verset 14. Alors, il est dit au verset 12 de Daniel, heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Ce qui veut dire que Dieu réserve un bonheur, une grande bénédiction pour ceux qui vont atteindre cette période-là. Donc, c'était une période à laquelle Daniel ne pouvait pas accéder. Il n'avait pas connaissance et n'avait pas la possibilité de comprendre ce qui allait se passer pendant cette période-là. Mais puisque nous vivons après 1844, bien, il nous est donné de recevoir la bénédiction promise ou les bénédictions promises, puisque nous aurons normalement reçu de la part de Dieu le don de l'esprit, l'intelligence qu'il faut, la communication de l'esprit en ce qui concerne la vérité, puisque l'esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité. Alors ma question c'est, comprenez-vous pourquoi ce qui arrive après 1844 ou à la fin de la période des 1335 jours sont heureux? Au bonheur de ceux qui arrivent après 1335 jours s'ajoute le bonheur de ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et le texte précise que ces paroles sont certaines et véritables. Alors, une étude sérieuse du contexte montre que ces deux bénédictions se situent au temps de la fin. Temps de jugement, temps du mariage de l'agneau. Et l'étude d'Apocalypse nous montre que le malheur va atteindre Babylone. Regardez ce que dit Apocalypse chapitre 18, versets 10 et 11. Se sentant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront: malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Voilà. Alors, vous vous souvenez de ce fameux texte d'Apocalypse 14, verset 8, qui dit: elle est tombée, Babylone, la grande, qui a breuvé la nation du vin de la fureur de son impudicité. Alors, Apocalypse 18 précise que Babylone est frappée par le malheur. La grande ville est frappée, la ville puissante, en une seule heure. Et ses marchands sont dans le deuil, alors que à la même période, eh bien, le texte biblique nous dit: heureux ceux qui arriveront à 1335 jours, heureux ceux qui sont appelés à participer au festin des noces de l'agneau. Donc, pour ceux qui connaissent le temps prophétique et le paradigme divin après les 1335 jours, c'est le bonheur. Dans quel paradigme sommes-nous donc? Qu'est-ce qu'un paradigme? Alors, remarquez, chers amis, que à partir de 1335 jours, Dieu a bien l'intention de faire quelque chose. Il va communiquer aux uns et aux autres qui l'écouteront et qui recevront son message du bonheur. Donc, c'est un paradigme tout à fait différent de ce que vit Babylone. Et je dirais même que ce paradigme d'après les 1335 jours est différent de celui qui existait avant les 1335 jours. Voilà pourquoi notre curiosité s'éveille et nous nous demandons, mais
Quel paradigme Dieu nous réserve-t-il aujourd'hui? Qu'est-ce qu'un paradigme d'ailleurs pour que vous puissiez bien comprendre chaque fois que nous utilisons ce mot? Alors voici la définition trouvée dans le dictionnaire électronique, Larousse. Il est dit un paradigme est un ensemble de principes, de théories, de méthodes, de valeurs qui définissent une approche particulière pour comprendre et expliquer un phénomène. Cela peut être appliqué à différents domaines tels que la science philosophique, la société ou l'économie. Donc, allons-nous faire ce soir lors de notre étude? Nous allons d'abord déterminer quel est le phénomène. Si nous arrivons à trouver quel est le phénomène qui a lieu après les 1335 jours, nous allons pouvoir explorer les valeurs, les méthodes, les théories, les principes utilisés par la parole de Dieu ou dans la parole de Dieu pour comprendre et expliquer le phénomène en question. Lançons-nous donc maintenant et essayons de comprendre le phénomène qui devrait avoir lieu ou qui accourt maintenant que nous sommes après les 1335 jours. Pour cela, nous allons avoir une question et elle est sous vos yeux. Quelle est la prédiction la plus importante pour l'Église des derniers temps? Quelle est la prédiction divine, la prédiction prophétique, n'est-ce pas, des prophètes ou d'un prophète en particulier, la plus importante pour l'Église des derniers temps? Alors, voici les textes que nous allons lire. Prêtez attention à ce que disent ces textes pour déjà avoir un aperçu de ce phénomène. On y va pour la lecture. Oui. Éphésiens 1er, versets 3 et 4, et ensuite 9 et 10. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes sortes, toutes choses, pardon, en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Merci. Soulignons, chers amis étudiants, un certain nombre d'idées dans ce texte qui sont fondamentales. La première idée, c'est que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Grâce, à travers, par Jésus-Christ, Dieu réserve à son peuple des bénédictions particulières. Et l'une de ces bénédictions, c'est l'élection avant la fondation du monde. Celle-ci fut prévue. Il y a donc, dans le plan de Dieu, il va y avoir des gens qui vont être élus, mais il connaît d'avance, il sait d'avance qui le sera. Et il a déterminé que c'est l'élection qui va permettre à un certain nombre de personnes de pouvoir atteindre un niveau que la Bible appelle saint et irrépréhensible devant lui. Le niveau de sainteté et d'irrépréhensibilité, je me permets ce terme pour vous donner de comprendre que nous avons été longtemps vus et connus de Dieu pour pouvoir aller atteindre ce niveau. Le phénomène qui doit se passer aujourd'hui est un phénomène destiné à faire ce que Dieu a prévu depuis toujours, mais l'exécution de cette affaire se ferait, d'après le texte, regardez le verset 10, se ferait quand? Eh bien, le texte répond, lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc, Christ, par son sacrifice, a rendu possible cette réunion des choses terrestres et des choses célestes. Mais le jour vient où cette réunion devient une réalité. Mais avant que cette réunion, lorsque les temps seraient accomplis, avant que cette réunion entre les choses célestes et les choses terrestres ait lieu, Dieu a prévu de mettre à exécution ce
qu'il a planifié de toujours, c'est-à-dire avoir sur cette planète Terre un groupe de personnes qui seront saintes irrépréhensibles, appelées saints et personnes irrépréhensibles. Donc aujourd'hui, l'attention de chaque croyant doit être attirée par ce phénomène que Dieu va mettre en place, ou qu'il a commencé à mettre en place devant l'angle où on se trouve. Maintenant, regardez la suite, Éphésiens 3, versets 10 et 11. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, donc Paul reprend dans Éphésiens toujours ce fameux phénomène animé par la sagesse infiniment variée de Dieu. Et là, il ajoute que c'est par l'Église que le phénomène va se manifester de façon à ce que Dieu soit connu dans sa sagesse comme il n'a jamais été connu auparavant. Parce que ça fait partie de son dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ depuis les temps derniers, les derniers temps, après avoir parlé par les prophètes à nous autres, au peuple dans le passé, à son Église, à ses enfants, aux enfants d'Israël, n'est-ce pas? Dieu, dans ces derniers temps, nous parle, nous a parlé par Jésus-Christ. Donc, il va falloir bien écouter, bien saisir les paroles de Jésus à travers ses prophètes, et particulièrement, pardon, à travers Daniel et l'Apocalypse, pour voir l'exécution phénoménale de ce paradigme, de façon à ce que le dessein éternel de Dieu devienne une réalité. Quel est donc le dessein de Dieu soutenu par un nouveau paradigme céleste? Voici ce que nous comprenons d'après ces textes. Donner conscience et intelligence à ceux qui ont déjà été désignés comme candidats à cette élection, que le temps de l'élection connue et prévue par Dieu est arrivé. Donc, il va y avoir des gens qui vont être élus, choisis, séparés, sanctifiés, lavés, purifiés, déclarés, fils et filles de Dieu, en ces temps derniers. C'est une œuvre particulière qui est décrite par Jean comme étant une sélection parmi 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, 12 000. Donc, il est important pour nous aujourd'hui de comprendre qu'après 1844, les élus seront choisis pour jouer un rôle particulier. Généralement, on emploie le terme élu pour l'ensemble des sauvés. Oui, c'est possible, puisqu'ils sont sauvés, ils sont élus en quelque part pour le salut. Mais là, il ne s'agit pas du salut. Du tout pas. Il s'agit de personnes qui, avant le retour de Jésus, doivent atteindre le niveau de sainteté et d'irrépréhensibilité. Parce que tous les élus ne vont pas atteindre ce niveau-là, même s'ils seront dans l'éternité. Le larron sur la croix, est mort, il n'a pas eu le temps d'atteindre ce niveau-là. Et combien d'autres se sont repentis dans les derniers instants de leur vie et n'ont jamais pu atteindre ce niveau de sainteté, de perfection, d'irréprochabilité dont parle la parole. Donc ici, nous ne parlons pas de tous les élus. Il s'agit d'un groupe de sélectionnés à qui Dieu va donner une conscience et une intelligence telles qu'ils vont savoir qu'ils participent à un temps particulier, un temps d'élection particulier,
que Dieu a prévu d'avance. Donc, ces personnes-là auront un rôle particulier à jouer dans les derniers temps. Voilà pourquoi Jésus prend la précaution de nous dire, chers amis, qu'à la fin des temps, je vous ai déjà dit que c'est la seule parabole de Jésus qui emploie le verbe être au futur concernant le royaume des cieux. Toutes les autres paraboles disent le royaume des cieux est semblable à. Mais cette parabole de Matthieu 25 dit que le royaume sera semblable. Parce que cette parabole concerne le mariage de l'agneau qui devra avoir lieu à la fin des temps. La parabole des serviteurs qui complète cette parabole des vierges sages et des vierges folles, parabole des serviteurs qui reçoivent les talents, cette parabole, elle aussi, est au futur. Le royaume des cieux, alors, sera semblable à un roi ou le maître qui va appeler ses serviteurs et leur remettre des talents, des dons ou encore ses biens. Donc, ça veut dire que ces personnes-là auront un rôle à jouer dans l'économie divine de cette période. Elles devront préparer le matériau de confection de la robe de la mariée. Ces personnes-là doivent aller à la rencontre du marié pour que la fête ait lieu autour de ce couple divino-humain. Ces personnes doivent s'assurer qu'elles sont habillées à la ressemblance du marié et ont reçu pleinement son esprit et son caractère. Ces personnes doivent précéder le cortège de la mariée, éclairer la route vers la salle du repas des noces et du mariage et être en mesure de faire les choses de façon très protocolaire. Cinquièmement, ces personnes doivent s'assurer d'être en mesure de faire face correctement au retard de l'époux et ne pas avoir peur de ce retard. En sixième lieu, ces personnes ont pour responsabilité de faire provision d'huile de façon à ce que leur lampe ne s'éteigne pas, même s'il est trop tard et même s'il fait de plus en plus noir, même si les ténèbres s'installent de façon épaisse sur cette voie, cette route, ce chemin, cet espace, ce temps du mariage. Eh bien, les vierges ne devraient pas avoir peur. Faire provision d'huile est aussi l'une des responsabilités de celle-ci et enfin tenir leur lampe allumée. Donc voilà ces personnes à qui sera donné de la part du Seigneur de la conscience, de l'intelligence, de la certitude, de la conviction que c'est le temps de l'élection et elles sont appelées à être parmi ceux qui sont élus. Et cette élection est longtemps, longtemps, très longtemps prévue d'avance. Alors, regardez maintenant ce que dit l'apôtre Paul dans ce texte. Nous l'avons déjà lu, mais je le remets sous vos yeux pour que vous constatiez que nous sommes bénis spirituellement dans les lieux célestes en Christ. Deuxièmement, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous atteignions ce niveau de sainteté et irrépréhensibilité. Troisièmement, nous devons faire connaître le mystère de sa volonté, c'est-à-dire le dessein qu'il a prévu de tout temps, mais qui sera exécuté au moment où les temps seraient accomplis pour réunir toutes choses dans les cieux et sur la terre. Donc nous sommes en plein dans cette actualité d'après 1844, donc d'après les 1335 jours, et en perspective le retour de Jésus qui doit faire en sorte que ce qui est dans le ciel, ce qui est sur la terre, soit réuni. La terre a fait bande à part depuis déjà très longtemps
à cause du péché, le Christ revient pour qu'elle réintègre le monde divin, l'univers de Dieu. Mais avant que cela ne se passe, eh bien, nous avons un autre paradigme pour et accompagné d'un phénomène particulier. Donc, chers amis, chaque candidat à cette élection recevra cette nature nouvelle qualifiée de sainte et d'irréprochable. Donc, aujourd'hui, je dois savoir que Dieu donne quelque chose. Il attribue quelque chose qui s'appelle nouvelle nature, sainte et irrépréhensible. Il déclare, c'est lui qui fait, c'est lui qui attribue, c'est lui qui donne, c'est lui qui invite, il fait tout. Maintenant, chacun doit choisir s'il veut accepter l'invitation à être un élu, s'il veut accepter l'invitation à participer au repas des noces. Maintenant, Dieu sait où il va qualifier, ou plutôt, il va sélectionner ceux qui devront contribuer à l'organisation du mariage. Et il sait qui c'est ou quelles sont ces personnes qui vont recevoir l'invitation pour pouvoir participer au repas, au festin des noces du mariage de l'année. Maintenant, toutes ces personnes doivent savoir que leur sanctification et leur caractère irréprochable ne peuvent être travaillés par eux et ne peuvent venir d'eux ou d'elles. L'Écriture est suffisamment claire là-dessus, que toutes ces choses viennent de Dieu et de Dieu seul. Regardons cependant deux textes qui vont nous le dire assez clairement. D'abord, Jean 17, verset 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc, oui, le processus qui nous emmène à la sanctification est un processus qui a besoin de la vérité. Jésus dit qu'il est la vérité, le chemin et la vie, qui a besoin de la sainteté. Et c'est Jésus lui-même qui fait un travail sur lui de façon à ce que nous puissions bénéficier de ce travail qu'il aura fait sur lui. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'il soit aussi sanctifié. Deuxième texte. Car par une seule offrande, il a mené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ça, c'est une nouvelle extraordinaire, n'est-ce pas? Dieu a offert en sacrifice son Fils Jésus-Christ et il nous fait savoir que par une seule offrande, il a emmené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc il est clair que le travail est d'ordre divin. D'ordre divin. La perfection, c'est Dieu. La sanctification, c'est Dieu. Tout en tous, il nous a tout donné en Christ. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, ces personnes vont constituer à la fin des temps celles qui vont accomplir le dessein de toujours de Dieu, avoir sur cette terre des personnes rendues saintes et irrépréhensibles, des personnes qui constituent une église qui va faire ressortir ou qui va témoigner de la sagesse infiniment variés de Dieu. Alors, rappelez-vous que ces choses n'ont eu lieu à aucun moment de l'histoire avant 1844. L'Église primitive a commencé ce travail extraordinaire dans ce sens, mais qui a été complètement gâché par les coups sataniques et l'Église a apostasié. Et vous avez les sept lettres de l'Apocalypse qui appellent l'Église à revenir à ce que Dieu avait voulu faire de toujours, mais qui n'a pas réussi, parce que l'Église n'a pas apporté à Dieu la collaboration qu'elle aurait dû apporter. De sorte que les choses, ou dirais-je, tout reste à faire. Et Dieu dit que cette affaire qui a
commencé qui a donné un petit souffle, on pourrait qualifier cela comme ça, d'avant 1844, lors de la Pentecôte au début, va donner à la fin des temps quelque chose d'extraordinaire, un souffle des plus grands, des plus extraordinaires, des plus terribles qu'on ait jamais vu de toute l'histoire de l'humanité. De même que Daniel dit que la détresse sera telle qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent, eh bien, nous avons la connaissance que Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire, c'est faire la démonstration que la sagesse de Dieu peut être démontrée à travers l'Église, c'est-à-dire des hommes, des femmes dans ce monde, parce qu'elles auront atteint un niveau d'intelligence, un niveau de sanctification, un niveau de compréhension de ce que Dieu est, et ainsi le Seigneur va pouvoir se révéler à travers elles. Maintenant, le dragon n'est pas mis en difficulté parce que les gens se font baptiser. Le dragon n'est pas mis en difficulté parce que les gens se repentent. Le dragon n'est pas mis en difficulté parce que les gens confessent leurs péchés. Il est mis en difficulté lorsque les gens changent de caractère, commencent à faire la démonstration du caractère du Christ dans leur vie. C'est là que le diable commence à prendre peur. Et Jésus dit que s'il a frappé l'Église, s'il a, pendant tout le temps réservé aux nations, donc au diable, il a frappé, il a détruit, il a séduit, il a conquis. La Bible dit qu'il a jeté la vérité par terre et qu'il a réussi dans ses entreprises. Mais à partir de 1844, j'ai dit non. Ça va changer. Je vais avoir de plus en plus de personnes qui vont s'intéresser à mon paradigme, à ce phénomène de développement du caractère, à ce phénomène de changement de l'être dans ses profondeurs pour enfin refléter l'image de son Créateur. Donc ce phénomène-là, Jésus dit, il aura lieu avec les vierges. À la fin des temps, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui vont à la rencontre de l'époux. Donc, croyez bien que Jésus ne vient pas chercher une communauté religieuse, c'est-à-dire une dénomination religieuse, mais il vient chercher un reste qui garde ses commandements et possède son caractère, donc son caractère dont il a témoigné dans le monde. Ta foi, frère, sœur, cher ami, cher auditeur, ta foi ne peut pas être celle d'un chrétien dont la foi repose essentiellement sur une doctrine d'Église, mais une foi qui recherche la ressemblance avec Christ. Ta mission première n'est pas de prêcher la bonne nouvelle aux autres, mais de montrer concrètement par ton témoignage comment Jésus change une vie, un caractère. Voilà le bonheur que Dieu veut donner en ces temps derniers, le bonheur de refléter l'image du Christ, le caractère du Christ. Heureux ceux qui arriveront après les 1035 jours. Pourquoi? Parce que c'est jusqu'à ce temps-là que Dieu avait donné toute la liberté au diable. 5 800 ans qu'il lui a donné. Et quand arrive le moment où les choses vont changer, l'Écriture dit malheur, heureux, bonheur pour ceux qui habitent dans le ciel, mais malheur à ceux qui sont sur la terre, car le diable est descendu vers vous, sachant qu'il a peu de temps. À quel moment le diable a su qu'il lui restait peu de temps? Eh bien, lorsque les 2300 soirées matin se sont terminées, tout simplement. Tant que cette prophétie n'était pas arrivée à son terme et après laquelle il n'y a plus de prophétie chiffrée,
Le diable pensait que, voilà, il avait les coudées franches et libres. Oui, il les avait, Dieu les lui avait donné. Il les lui avait donné. Maintenant, Dieu dit, voilà, Michaël va se lever pour prendre la défense de son peuple. En ce temps-là. En ce temps-là. Donc, mes amis, regardez ce que l'Écriture dit qu'il va faire alors. Quand il verra ce phénomène commencer à se développer sur la terre, qu'est-ce qu'il va faire? Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Voilà, il va faire la guerre au sein, la guerre au reste de la postérité. La femme sortira du désert, c'est-à-dire cette longue période où elle a été dans le désert, piétinée, piétinée, piétinée par le diable. Et les saints dans Daniel 8, 14 posent la question, mais alors, jusqu'à quand le sanctuaire de Dieu va-t-il être piétiné comme ça? Et l'ange répond, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Quel est donc le phénomène qui justifie le nouveau paradigme divin de la fin des temps? Nous allons lire ces textes. On va venir à la fin de notre étude ce soir. Matthieu, chapitre 19, d'abord, versets 7 et 8. Avec nous, Gisèle? Oui, pardon. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse est préparée et lui a été donné de se revêtir d'une fin lin éclatant, pure, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, réjouissons-nous, c'est du bonheur, du bonheur. Soyons dans la joie, dit-il. Donnons-lui gloire. Pourquoi? Parce que le mariage de l'agneau est venu. Son épouse s'est préparée et lui a été donné de se revêtir de fin lin pur et éclatant. Car le phénomène des justes saints et irrépréhensibles a fait en sorte que le fin lin, matériau pour la conception, comment on appelle là, un mot qu'on emploie pour le vêtement, pour concevoir ce vêtement et le faire, le travailler, eh bien, ce matériau-là, qu'on appelle le fin lin, a été produit par ce phénomène de juste, de saint, produisant des œuvres justes et saintes. Donc Dieu parvient à avoir dans le monde, à la fin des temps, un groupe de personnes appelées le reste ou les restes qui maintenant gardent les commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus. Ça veut dire qu'ils ont cultivé ou Dieu a cultivé en eux la perfection, c'est-à-dire le caractère du Christ. Et l'Écriture dit ceci. Matthieu 25, verset 1er. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Voilà. Alors ces personnes qui sont habillées de la virginité, car Dieu les a déclarées vierges, les a fait naître de son esprit. Eh bien, celles-là vont participer à ce phénomène, prendre leur lampe, aller à la rencontre de l'époux, et ainsi le mariage pourra avoir lieu, parce que vous savez que les vierges en question, ce sont elles qui préparent la mariée et qui conduisent le cortège de la mariée vers le cortège de l'époux pour aller ensuite à la salle du mariage. Et Daniel déclare ceci, disant les choses autrement. Voici comment Daniel présente ce phénomène. Alors, Daniel 12, versets 3 et 4, et ensuite le fait 10. Ceux qui auront été intelligents
brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Voilà. Alors, vous voyez donc, ce phénomène établit un nouveau paradigme divin, puisqu'il dit que ces personnes que Dieu va produire, en fait, permettez-moi l'expression, vont briller d'une grande intelligence comme la splendeur du ciel. Donc, c'est un phénomène qui vient du divin. Ça va donner à la multitude d'entendre des choses qu'elle n'avait jamais entendues, recevoir un enseignement qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Ces personnes vont donc briller comme des étoiles. Et on sait qu'à l'Apocalypse, les étoiles représentent ceux qui dirigent l'Église, les anciens, les responsables des Églises. Donc ces personnes vont avoir une responsabilité telle qu'elles pourront enseigner la justice à la multitude et briller à toujours et à perpétuité. Et Dieu dit, Daniel, ça ne concerne pas ton temps et ça ne va même pas concerner les temps qui viennent après toi. Après toi, ça va concerner les temps qui sont à la fin, tout à fait, à la fin. Tiens secrète ces paroles et scelle le livre. Et quand l'apôtre Jean reçoit les messages de Jésus, de la part de Dieu le Père, eh bien, l'ange lui dit, mais maintenant, reçois le livre, mange-le, avale-le. Maintenant, le livre devient un livre consommable, un livre ouvert, un livre à étudier, un livre à comprendre, et la prophétie va pouvoir parcourir le monde, le phénomène divin va s'amplifier, plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés. Ils constitueront donc une partie de ce grand phénomène que Dieu va avoir sur cette terre, ce paradigme nouveau. Et malheureusement, beaucoup ne vont pas prêter attention ou vont refuser ou vont même devoir détruire ou casser tout ça et sont appelés des méchants qui ne comprendront rien. Tandis que ceux qui auront de l'intelligence vont comprendre. Donc Dieu est clair avec Daniel. Qu'est-ce qu'il lui dit dans Daniel 12, versets 9 et 10? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais Nous ceux savons qui que... auront de... Oui, vas-y. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. D'accord. Donc, on réalise ici que Dieu est clair, hein, et nous savons que le temps de la fin commence à partir de 1798, 1844, n'est-ce pas? Donc, c'est à partir de cette période-là que le livre sera ouvert, le phénomène en question va avoir lieu, le paradigme nouveau de Dieu va s'établir pour avoir un résultat extraordinaire. Prévu de toute éternité, s'il vous plaît, des hommes, des femmes qui seront appelés saints du Très-Haut, irrépréhensibles, irréprochables, véridiques, purs, parce que lavés, parce que purifiés, parce que sanctifiés. L'Église a donc de beaux jours devant elle, un bonheur qui sera garanti par l'action de l'Esprit de Dieu. Donc, ce sera la préparation et la manifestation de groupes de personnes intelligentes et pédagogues dont le caractère est saint, pur, irréprochable. Voilà le nouveau paradigme divin appelé le reste ou les restes. Lorsqu'il aura atteint ce niveau-là, alors l'Évangile sera prêché dans le monde entier à toutes les nations
pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Donc, croire qu'avec l'Église, dans son état de tiédeur actuel, on pourra prêcher l'Évangile à toutes les nations est un leurre. L'Église ne pourra jamais prêcher l'Évangile tant qu'elle n'aura pas compris le nouveau paradigme divin, qu'il faut absolument qu'elle atteigne l'état de pureté et de sainteté de façon à briller comme des vierges sages. Et elle pourra alors, en un rien de temps, prêcher cet évangile au monde entier pour que la fin devienne une réalité. Donc Jésus dit, vous allez avoir des bruits de guerre, vous allez avoir des phénomènes divers, cataclysmiques et catastrophiques qui vont s'établir sur la terre, des séductions de tout, en tout genre, des faux prophètes en tout genre. Ce ne sera pas encore la fin. Pour que la fin vienne, il faut que l'évangile soit prêché à toutes les nations. Il faut que le témoignage puissant soit rendu par ceux que Dieu aura choisis, sélectionnés, purifiés, lavés, sanctifiés, mis à part. Pendant 3 ans et demi, Jésus a qualifié des disciples et lorsqu'ils se sont tenus debout à la Pentecôte, ben, l'évangile s'est répandu comme une traînée de poudre dans tout l'Empire romain. La Bible en témoigne, Luc en témoigne dans la Bible, que l'évangile a été prêché dans le monde connu d'alors. Eh bien, lorsque le peuple de Dieu, après avoir reçu le baptême de l'Esprit de Dieu, et que le caractère de Jésus sera manifesté en lui, verra le jour, alors l'évangile sera prêché dans ce monde connu de maintenant. Qui veut participer? Qui veut avoir ce bonheur de participer avec Dieu à ce paradigme extraordinaire, à ce phénomène de transformation des cœurs extraordinaire mené de main de maître par l'Esprit du Christ? Qui veut? Heureux ceux qui vont atteindre les 1335 jours. Chers amis, c'est par le service et l'amour désintéressé dans l'application de la méthode du Christ, qui est la seule qui réussisse, que le caractère peut se former, se cultiver. Par l'amour et le service désintéressé. Voilà l'ingrédient principal de ce phénomène, de ce paradigme. Alors nos prédications, alors nos enseignements, tout ce que nous devons donner doit d'abord se diriger, se concentrer sur la qualification de l'Église. Et une fois que, parce que c'est ce qu'Ellen White, pour citer cet auteur que nous aimons bien, cité, elle dit que quand Jésus est entré dans le lieu saint, très saint, pardon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé sur l'Église à partir de 1844, la puissance, la lumière, beaucoup d'amour, de joie et de paix. Donc, il faut que l'Église reçoive cette puissance de l'Esprit qui consiste dans la lumière, dans l'amour, beaucoup d'amour. Eh bien, la puissance, la joie et la paix. Si l'Église n'a pas reçu cet esprit-là, comment voulez-vous qu'elle aille en face du diable avec ses démons, en face de ces personnes qui sont associées à lui et vouloir avoir la puissance, le pouvoir pour réaliser, pour faire quelque chose dans le monde? Oui, on va prêcher. Oui, certains vont adhérer à l'enseignement de l'Église, mais ce n'est pas l'actualité aujourd'hui, l'enseignement de l'Église, la doctrine de l'Église, ce n'est pas l'actualité principale. Ça fait partie de l'actualité, mais l'actualité principale, c'est la construction du caractère de Jésus en nous. Voilà l'actualité. Donc, je veux bien que l'on fasse toutes sortes de programmes
pour inciter l'Église à aller prêcher, prêcher, prêcher. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est si votre service et votre amour est désintéressé, si vous aimez les autres comme moi, je vous ai aimé, si mon caractère, mon esprit est manifesté en vous, alors votre prédication aura de la puissance, votre témoignage aura de la puissance, et le monde connaîtra que j'ai été envoyé. Jésus a prié pour ça. Si nous sommes un avec le Père, comme lui est un avec le Père, alors le monde saura qu'il a été envoyé. Mais nous voulons mettre les choses, la charrue avant les bœufs, et voilà pourquoi nous traînons encore dans ce monde depuis tant d'années que Jésus n'est pas encore revenu. Faisons en sorte maintenant de prendre conscience, d'avoir l'intelligence, d'utiliser la méthode du Christ. Les paroles. Matthieu 24, versets 44-46. Regardez bien ce que Jésus dit ici. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux est ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Heureux qui? Ses serviteurs. Ce serviteur. Tout de suite après avoir parlé de son second retour, Jésus dit, tenez-vous prêts quand le Fils de l'homme viendra. Il dit, quel est donc le serviteur? Donc l'actualité maintenant, c'est que vous et moi, nous devenions des serviteurs fidèles et prudents, établis par le Maître sur les gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux. Donc le bonheur de Daniel chapitre 12, le bonheur d'Apocalypse chapitre 19, est-ce le bonheur de tous ces serviteurs qui auront accepté de suivre le Maître dans le nouveau paradigme qu'il établit actuellement? Celui de la construction du caractère de Jésus-Christ, de l'agneau, dans chacun de ses serviteurs. Et donc l'esprit de service qui va développer ce caractère. Quand les serviteurs ayant reçu ces biens du Maître vont les mettre au service des autres, de tout leur cœur, dans un esprit désintéressé, alors il se trouve que l'évangile sera prêché puissamment et rapidement dans le monde entier pour servir le témoignage. Donc la préparation et la manifestation de l'Esprit de Jésus à travers ses serviteurs sélectionnés, donc une approche de service. Voilà ce que nous dit Matthieu chapitre 25, versets 14 et 15. Il enverra comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Donc, dans le paradigme nouveau de Dieu, c'est des dons remis à des personnes, des talents donnés, et ces talents vont être utilisés pour le bonheur des autres, pour le bien-être des autres, pour servir les autres, pour enseigner aux autres, pour donner de la nourriture spirituelle, morale, éthique et autre à ceux qui en ont besoin. Ces serviteurs faisant un travail fidèle, eh bien, vont développer ce caractère du Christ, mais aussi emmener beaucoup à le connaître. Ils auront ainsi suivi la méthode du Christ. Maintenant, quels sont donc les principes, théories, méthodes et valeurs bibliques nécessaires à ce paradigme divin dans sa manifestation visible et invisible? Numéro 1, un retour à l'amour tel que le Christ l'a démontré. Selon Jean 13, versets 34 et 37, une application stricte de la méthode du Christ pour aimer et évangéliser. Jean 3, Jean 13, 34 toujours et 35 toujours. Rechercher et conscientiser la présence de l'Esprit de Dieu en nous, car nous sommes des vierges, nées d'en haut, nées de nouveau. Avoir une intense vie de prière comme le Christ.
comme le Christ. Développer les dons et talents reçus au service des autres. Prêcher par le précepte et par l'exemple. Comprendre les prophéties, la vérité présente et les stratégies de l'Antéchrist. Attendre avec ferveur, persévérance et fidélité le retour de Christ. Chers amis, ces choses sont d'une extrême importance nous concernant, car nous vivons après 1844. Nous avons besoin de les comprendre en lisant, en étudiant la parole de Jésus. J'ose espérer que l'étude de ce soir vous a aidé d'une manière ou d'une autre, vous a inspiré, je voudrais dire, et que d'aller partir à la recherche de ces choses-là pour en être convaincu. Quand vous l'entendez de quelqu'un d'autre, tu as du mal à pénétrer. Il vaut mieux aller chercher pour vous-même, être instruit directement par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui doit vous instruire, pas moi. Parce que c'est lui qui a reçu ce mandat-là. Dans la mesure où je le partage avec lui, avec fidélité et sincérité, je suis une porte-parole, un instrument, mais je ne peux pas vous convaincre. C'est lui qui peut vous convaincre dans la mesure où vous irez à la recherche. Je souhaite donc que le Seigneur vous bénisse, que votre recherche soit fructueuse et votre vie de serviteur soit embellie, enrichie, que vous ayez du bonheur à servir le Maître de façon alors qu'il est encore invisible. Parce que bientôt il sera visible et il pourra dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Reçois le commandement de 5 villes, de 10 villes, de 20 villes, de 30 villes, de 50 villes. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre étude ce soir, donc nous allons prier. Notre Dieu, merci pour ce moment que nous avons partagé. Merci pour ce paradigme que tu mets en place. Ce phénomène de purification, de sanctification, de formation des caractères semblables à celui de Jésus permet que nous en soyons pleinement conscients et que notre conscience nous guide vers l'étude, la méditation, l'approfondissement, le discernement et que nos vies reflètent au Dieu le caractère de Jésus, la manifestation de nos émotions, de nos sentiments, nos réactions face aux personnes et aux circonstances, soit comme si Jésus vivait lui-même en nous. Si je vis, dit Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est lorsque cela deviendra une plénitude, une certitude en nous, une manifestation visible en nous, le Seigneur pour achever son œuvre en nous et que Jésus reviendra. Alors, donne-nous, comme des gens déjà heureux de savoir ce que tu veux faire pour nous, de vivre ces choses jour après jour jusqu'au jour final. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Voilà, à bientôt, si on n'a pas. Donc, on se dit au revoir, on se dit à bientôt et puis, on se retrouve le premier mardi du mois de novembre. Avec Voilà, nous. premier mardi du mois de novembre. À bientôt!